Hello tout le monde, c'est R2NKNOGT et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'unboxing de l'unboxing, bah voilà. Donc le premier unboxing était de Thiobedes. Désolé, je tousse un peu en ce moment. Voilà, donc c'était l'unboxing de Thiobedes, voilà. Et maintenant on va faire l'unboxing de la deuxième toupie, du deuxième toupie qui est Genesis Valtrieg V3. Version noire ou version type endurance, voilà. Donc ça va pas recommencer, hein. Voilà, donc Genesis Valtrieg de type endurance, voilà. Donc qui est noir un peu comme la toupie du Snake Pit, voilà. Donc c'est cool, c'est cool, sauf que j'ai pas toutes les pièces noires. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors elle a les attaques à lame coulissante. C'était pas normalement à l'attaque à lame à ressort. C'est différent là. Voilà, après on a l'âme à hélice. Voilà, donc c'est Genesis Valtrieg Fort Glaive Flugel. Donc là, c'est une combinaison avec le layer de Genesis Valtrieg, le disque de Wyvern et la pointe de Rock Tavor R3. Parce que le disque de Wyvern c'est Fort Glaive, comme celui-ci. Voilà. Ah oui, et puis les stats qui est pas important, qui sont pas importants, mais tant pis. Alors elle a 4 en attaque, 5 en burst, 2 en défense, 4 en poids, 5 en agilité et 5 en endurance. Donc je dirais plus que c'est plus une toupie de type ouais, d'endurance. On dirait plus une toupie équilibre parce qu'elle en attaque, elle a pas mal aussi. Voilà, donc assez blabaté pour les stats. On passe à l'unboxing, le déballage. Donc je fais une ellipse et bah je vous présente ces pièces. Donc voilà, j'ai défait à tout de suite son emballage. Donc comme vous pouvez le voir, la boîte elle est vide. Voilà. Donc en premier, on va commencer par encore un petit lanceur. Voilà, qu'on n'a pas la peine de présenter parce que j'en ai plein. Voilà, donc ça me fait chier la lumière là parce que ça fait beaucoup de... Après la vidéo, elle devient beaucoup floue. Voilà. Donc maintenant on passe aux pièces de l'toupie. Donc en premier on a le layer God Valtrieg, non pas God Valtrieg, Genesis Valtrieg V3, voilà, qui est noir, gris et vert, qui est magnifique, 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 magnifique. Excusez-moi. Donc ce layer est vraiment magnifique, on dirait vraiment le même layer que la Valtrieg du Snake Pit. Bah pas vraiment pareil, mais elle est noire donc ça fait un peu une Valtrieg assez sombre. Voilà, et on a le QR code qu'on voit pas très bien, je suis désolé. Voilà. Voilà, on va laisser comme ça. Donc Valtrieg V2, voilà, elle est Valtrieg V2 moi. Genesis Valtrieg, voilà, donc elle a pareil les lames qui bougent, voilà. Donc super stylé hein, ça. C'est un des trucs qu'on doit savoir sur Valtrieg, c'est que ça bouge. Voilà, donc il est vraiment magnifique ce layer. Juste que je regarde un truc. Ouais, le gold chip il est vert, mais quand on met la caméra c'est un peu transparent. Mais sinon il rend magnifique ce layer, je l'adore. Et aussi mon cousin il avait cette toupie, voilà, donc maintenant je l'ai aussi. Et maintenant j'ai 3 Genesis Valtrieg. J'ai la version 7 avec le tempête de cristal, le starter bah, original avec ses pièces d'origine, et bah le starter modifié, voilà. Excusez-moi, je tousse un peu en ce moment. Après on a le disque forgé, le Fort Glaive. Voilà, donc Glaive qui est orange. Donc c'est la première fois que je vois un Glaive orange, j'en ai jamais vu. J'ai le vert de Tempest Wyvern aussi, voilà. Mais lui il est orange, donc il est plutôt classe. Et disque 4 qui est aussi très lourd, hein, tout comme le tout premier, comme 0, hein, c'est un disque qui est plutôt pas mal pour l'endurance. Donc sauf qu'il était pas bien mis sur la frame, il bougeait vraiment. Ah, c'est dommage. C'est un peu dommage. Il tient pas beaucoup sur le disque. Il tient pas beaucoup. Voilà, quand je le mets comme ça, on entend le bruit qui tourne un peu. Donc à mon avis, pendant les combats, il va s'enlever assez rapidement. Donc c'est vraiment super dommage ça. Ah. Non, 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 c'est trop dommage. Donc voilà le disque Fort Glaive. Super beau, voilà. Et on a la pointe Flugel. Flugel, voilà. Donc qui est verte. Qui est vert, oui. J'ai jamais vu de pointe Flugel vert. Ça
la première fois que je vois comme ça. Donc c'est la même que Rock Tavor R3 ou Berserk Rock Tavor. Voilà, donc avec les quatre petites hélices qui entourent la pointe centrale. Donc ça ressemble à DF-105 de Metal Drago Absorb de Metal Fight. Sauf que c'est une pointe endurance et pas attaque. Donc je la trouve super belle. Et aussi c'est une. Aussi on va dire c'est la l'évolution de la pointe Survive, parce que la pointe ça ressemble à Survive. C'est un truc genre comme ça. Voilà, donc je sais pas pourquoi ils ont passé d'une pointe toute originale à de Revolve, parce que Revolve il tournait, mais là ça tourne plus. C'est juste des hélices, donc ça. C'est bizarre. Ils auraient dû faire un truc meilleur que Flugel. Donc on va la construire en direct avec vous. Alors, les clics sont pas l'air pas mal. Au début c'est bien. Voilà. Donc on a God Valtryek. Moi je dis toujours God Valtryek. Genesis Valtryek V3, Forglaive, Flugel. Voilà. Encore une nouvelle toupie dans ma collection. Super. Et maintenant, place au test. Donc voilà, on se retrouve pour le test de Genesis Valtryek. Donc c'est parti. Donc on va la lancer en première toute seule. Donc voilà, donc ce Valtryek est un petit peu déséquilibré au départ, mais sinon après elle arrive à se restabiliser. Donc ouais, comme elle va rester au centre, hein, puisque c'est toupie type endurance, voilà. Donc elle va rester au centre pour tourner tranquillement, tant que ça se passe. Donc elle m'a l'air d'avoir une bonne endurance. Donc le truc, seul truc qui est dommage, c'est que elle se déséquilibre un petit peu, moi je le vois. Elle est un petit peu déséquilibrée, donc ça lui fait perdre un petit peu d'endurance, mais c'est pas trop vraiment ça qui va dire que cette toupie est nulle. Voilà. Après, on va le faire tester contre la toupie que j'ai unboxée la dernière fois, donc c'est Diomedes D2. Donc c'est parti. On va voir si Diomedes arrive à passer le batterie avec. Wow! Double chaos explosif. Donc c'est super. Hein, double chaos explosif. Waouh! C'est la toupie la plus cool. Diomedes, la plus toupie la plus puissante. À défoncer Valtryek. Ouais, donc on va refaire un combat. On va voir qui gagne entre ces deux toupies. Oula. Allez, vas-y, Diomedes! Vas-y! Défonce Valtryek. Non, je rigole. Allez, Valtryek, propulsion éclair, mon rigole. Avec ton point d'endurance, tu peux pas faire la propulsion éclair, pas possible. Oh, le vainqueur est God Valtryek, ou Genesis Valtryek, voilà. Diomedes qui s'est fait rendre défoncer, là. Parce qu'elle n'avait pas assez d'endurance. Après, on va la faire tester contre l'original Genesis Valtryek. Donc, c'est parti. La recolorer contre la version originale. Qui va gagner? Lama ressort contre Lama ressort. Oh là, oula, oh. Et le vainqueur est Valtryek couleur originale. Voilà. Donc Valtryek a perdu toute son endurance. Voilà, parce qu'elle a eu de violents coups de la part de l'original Valtryek. Et on va le faire tester contre une dernière toupie. Spurligan Requiem 0 Zeta. Let's go. Requiem contre Valtryek. La fausse Valtryek. On va dire c'est la fausse. Oula, wow! Qu'est-ce qui se passe là? Requiem qui a touché, qui son disque a touché carrément la rame. Voilà. Oh, le vainqueur est Requiem par un survivant. Voilà. Que j'avais mis aussi en mode endurance. Voilà. Parce que c'est à la pointe comme ça. Voilà. Donc c'était l'unboxing de Genesis Valtryek V3 For Glaive Fugle. Voilà, donc toupie qui est plutôt pas mal. Bah, moi que je trouve personnellement bien, voilà. Donc, achetez-la. Si vous l'aimez pas, je vous conseille quand même de l'acheter parce qu'elle est vraiment super belle. Même si c'est pas, elle a pas ses vraies pièces, elle est pas mal. Donc, pour la collection, voilà. Elle est bien. Même si elle est pas très puissante, pour la collection, elle est pas mal parce qu'elle est super belle. Donc, voilà. C'était l'unboxing de Genesis Valtryek V3 For Glaive Flugel. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour le dernier unboxing. Peace!